On va encore parler de Nico Cado Avocado parce qu'il a posté d'autres vidéos et apparemment il aurait peut-être pas perdu de poids, peut-être il aurait perdu, peut-être il a un jumeau. On va voir tout ça en vidéo, donc prenez quelque chose à manger, à boire et c'est parti. Let's go! Dans un premier temps, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à réunir des preuves pour dire qu'il n'a pas perdu du poids tout simplement parce que c'était d'anciennes vidéos, etc. Notamment avec une vidéo qu'il a postée sur sa chaîne YouTube actuelle, là, il y a quelques jours. On le voit manger, par exemple, on voit un paquet de Takis, papier de Takis, ou Takis, je sais pas comment ça se dit. Et bah apparemment, c'est un ancien emballage. Et du coup, pas possible que cette vidéo ait été tournée en 2024. Et il y a beaucoup de personnes qui se sont concentrées aussi sur le perroquet. Parce qu'il y a des moments où le perroquet, il est tout beau, tout clean, tout ce que tu veux. Notamment sur cette dernière vidéo, on voit toutes les couleurs éclatantes et tout. Sauf que les anciennes vidéos, on peut voir qu'il est un peu gris, marron, on sait pas trop, il y a des taches. Sauf que c'est tout à fait normal. Parce qu'un perroquet, son pelage, il change. Enfin, c'est plus. Des fois, ça peut être gris ou plus ou moins vif ou autre. Mais surtout, s'il est mouillé. S'il est mouillé, sa couleur peut changer. Moi, je dis pas que c'est un caméléon. Mais regardez, je vais vous montrer la preuve avec ce perroquet. Vous voyez bien, c'est presque le même. Sauf que moi, c'est un Amazon à front bleu et lui, c'est un Amazon à front jaune. Regardez, là, il est tout beau, regardez-le bien. Voilà, tout beau. Maintenant, je vais lui prendre sa douche, j'arrive. Je vais le mouiller et je le ramène. Eh bien, regardez, une fois mouillé, il commence à avoir des taches grises, marron, etc. Exactement comme sur la vidéo de Nico Cado Avocado. Vous voyez, il est plus aussi vert qu'avant. Regardez toutes les taches un peu marron qu'il a et tout. Vous voyez, ah, ma féfé. Vous voyez, les gris. Ça, c'est pour les mouiller. Du coup, cette excuse, elle est rejetée. Cette preuve est totalement rejetée. Objection, votre honneur. Et après, il y avait aussi le fait qu'il est peut-être un jumeau. Et son jumeau, il est maigre. Et lui, il est toujours gros. Il y a une vidéo qui est apparue dans les pourtours, d'ailleurs plusieurs. On pouvait voir, justement, ces jumeaux-là se faire un câlin. C'est bon, on a trouvé. En fait, c'était un jumeau depuis le début. Et non. Figurez-vous que ça a été fait par une IA. Oh ouais, les IA, ça va très très loin. Hein. Jusqu'à, tu peux te faire un câlin avec ton toit après. Et je sais que ça existe la même chose avec les célébrités. Genre, ils mettent les célébrités plus jeunes qui se font un câlin à eux-mêmes, mais genre plus vieux. C'est un peu glauque quand même, hein. Mais en tout cas ça existe. Mais du coup ça m'a fait rappeler ça. Et ensuite il y a un truc que j'ai pas trop compris. Mais en gros sur une vidéo qu'il avait tournée à Las Vegas, on pouvait voir en arrière-plan quelque chose. Et il y avait un panneau publicitaire. Et ça c'est très important. Parce que dans ce panneau publicitaire, on pouvait voir que c'était marqué Noche UFC, 14 septembre, Saturday. Donc ça prouvait que en fait il avait perdu du poids et qu'il était toujours pas gros en fait. Sauf qu'il y a d'autres personnes qui disaient que c'était une IA et que derrière c'était un fond vert et que c'était faux et qu'il a quand même deux longueurs d'avance sur nous. Et puis au bout d'un moment tout le monde a commencé à croire, à se dire écoute, se faire une raison, il a vraiment perdu du poids et franchement félicitations. C'est pas il a posté cette vidéo. I don't have good news to share with you today. I'm actually really triggered. Let me tell you why, it's actually your fault. So let me break it down for the low IQs out there, which is actually most of you. I made a YouTube video and I said, I'm two steps ahead. My whole life is premeditated, it's calculative, it's manipulative. My life has been a social experiment. Joke's on you, I'm actually really smart. And what was the result of that video? Millions of people believed it. Y'all have the IQs of a bag of rocks. I can literally dye my hair blue and say it's always been blue in half, y'all. Well, believe it. Yes, because I just acted gaining 250 pounds. Who in their right mind does a social experiment gaining 250 pounds for 5 years in a row? Y'all are so stupid. Yes, see this double chin? Yes, I acted this out for 5 years in a row. For what? For clicks? We've all been played by this evil genius. Oh my God. I literally typed up a Batman monologue and read it on camera. I'm scared for society, actually. Okay? I'm a little afraid. Y'all need to go to school. Learn something! Think outside the box. Don't believe everything you're told, including from me! And yet, y'all believed it. That's
actually scary. Goodbye. Déjà, une, hey, il parle trop mal. Et de comment c'est, il a encore gros. Genre plot twist sur plot twist. Sauf que c'est bon, hey, là, il a plus de temps d'avance sur nous, il en a 3. Même peut-être 4. Mais ça se trouve que c'est cette vidéo qui est une vidéo pré-enregistrée. C'est quand il était encore gros. Et qui nous tourne encore en bourrique. En mode, ouais, arrêtez de croire ce qu'il y a sur internet. Patati patata. Et du coup, tout le monde pensait qu'il était en fait encore gros et qu'il se joue de nous depuis le début. Sauf que, il y a un abonné, si je peux appeler ça un abonné, qui a pris une photo avec Nico Cado Avocado. Il nous a dit, oui, si vous hésitez sur le fait qu'il a vraiment perdu du poids. Bah apparemment il a vraiment perdu du poids parce que je l'ai rencontré, on a pris une photo ensemble. If anyone's wondering if Nick Avocado's weight loss is real, I'm in Vegas where I just met him. It is most definitely real. Et quand tu vois ça, tu dis, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Il a perdu du poids, il a pas perdu du poids, on comprend plus rien. Non, il y a beaucoup de personnes qui croyaient pas, qui disaient, ouais, c'est que du fake, c'est un photomontage ou autre. Et du coup, il a répondu. Here's the deal, believe me, don't believe me, I don't care. I'll post a live photo with the timestamp, proving to you guys that I actually did meet him. But the days are too short to keep arguing about whether his weight loss is real or not. And I will say this before I show you that photo. You also won't believe I was 325 pounds 4 months ago. If you want that proof, I'll provide you with that too. Sauf que là, il nous a quand même montré une photo live. C'est difficile de truquer une photo live. À moins que si la photo live date d'il y a longtemps. Parce que l'époque où il était maigre, ça existait, les photos live sur l'iPhone. Et du coup, les gens, ils sont en train de lui dire, mais attends, mais Nico Cado, il a posté sur son propre compte. Au final, bah, il a pas perdu de poids et qu'il est encore gros. Genre, qu'est-ce que tu nous racontes? Il a décidé de répondre à ça. You guys need to understand, he wants all this controversy. He wants you to believe he didn't lose all the weight. He's getting paid from this. This is all part of the experiment. I have more than just picture proof. I have a live video. It's on my page. But I will say this, Nick's smart and he is getting paid. Il me dit, ouais, en gros, que ça fait partie de l'expérience sociale. Oui, mais stop, c'est bon. Nous, on veut savoir la vérité. On veut savoir qu'est-ce qui se passe, genre Nico Cado Avocado. À quoi tu ressembles? Limite, j'ai envie de te dire, je croirais en quelque chose quand je le verrais en face de moi. Puis ensuite, il nous a montré la preuve ultime qui n'est pas possible de fake. C'est-à-dire qu'il nous a montré sa photo live, mais en même temps, vous savez, les paramètres, genre toutes les informations et tout, et on voit l'heure à laquelle ça a été pris, surtout la date. Ça a été pris Tuesday, donc mardi 10 septembre en 2024. Donc c'est cette année. Mais il y a quelque chose qui est vraiment trop bizarre, c'est que ce mec-là, sa première vidéo, c'est ça. C'est-à-dire que limite le compte, il a été créé juste pour parler de Nico Cado Avocado. Genre il y a pas de passé. Le compte n'existe pas depuis des années ou quoi que ce soit. Et c'est un abonné lambda qui a rencontré Nico Cado Avocado. Oh, Mr. Noodle, tu te calmes ou... Du coup, c'est très étrange. Du coup, est-ce que ce mec-là n'est pas payé ou fait pas partie de l'expérience sociale de Nico Cado? Ça, j'en sais rien, mais j'ai un gros gros doute. Du coup, je me dis, au final, c'est peut-être fake et que, au final, il est toujours gros. Donc voilà ce qu'il en est pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez parce que cette histoire, elle est vraiment très très étrange. On se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Et sur ce, claim to fame.